trop pas. Ouais. Allez, lanceuse. Bah, je peux pas. Bah, si, tout le monde a mis prêt. Ah, j'ai fait prêt, connard. Ah, bah, j'ai pas vu, j'étais pas sûr. Ah, bah voilà, bah voilà. Et comment veux-tu faire confiance à quelqu'un comme ça pour faire l'inventaire? J'avoue que ça fait peur. Ma bite. Alors, trouver des preuves du paranormal avec un lecteur EMF. Et là, t'arrives à lire? Ah merde, j'ai pris un screen. Ah bravo. T'as pris une photo. Ah bravo. Voilà, voilà, on a plus que 4 photos. Voilà, voilà. Oui, je te pourrais. Réponds à tout le monde, c'est Linda Garcia. Attends, prends le crucifix, toi. Bah non, j'ai pris le truc là, avec des boutons là. Capteur de mouvement, capteur de mouvement. La caméra frontale. Ouais. Là. C'est quoi ça? Bon, attends, comment on fait? C'est le... Et c'est quoi la caméra? Comment on l'active? Elle s'active toute seule. Elle est activée, elle est activée d'origine. Ça, c'est pour voir votre mort, c'est plus drôle. Ah. Ah bon? Eh, y'a un os là! Prends-le en photo, quelqu'un est à la porte. Le fantôme il tousse, il y a le Covid. Comment on ouvre une porte? Clic gauche. Avec ta souris. Ça dit dans la porte. Ça commence bien. Comment on ouvre une porte? Bah, tu t'appuies sur la poignée, tu la pousses. Oh là là, reste appuyé. Vous êtes pas de barrer avec moi. Ouais, je vois ça. Eh, les gars, j'ai du 10 degrés ici. Et j'ai 10 degrés là où je suis. 10 degrés. Ah, mais t'es où? T'as 10 degrés. En bas, rez-de-chaussée. Tout de suite à gauche, non, à droite, quand vous entrez. Dans la chambre, dans la salle de bain de la chambre à droite. Ah ouais, je t'ai trouvé, c'est bon. 11 degrés, 10 degrés. Ah, degrés, niveau 4. Degrés. Une chaussure à bouger. Niveau 4. Il faut niveau 4. Il faut la lumière rouge. Niveau 4. Dans le rack. Il faut la lumière rouge. La lumière rouge. 9 degrés. Il est dans la pièce à côté. C'est ici. Ben non, j'ai 10 degrés à côté, moi. Alors Alors, arrête avec ton appareil photo. Arrête tout de suite. Je fais des shooting photos, laisse-la. Laissez-moi prendre des preuves. Alors, attends, je vais t'expliquer avec l'appareil photo. Dès que t'entends une radio ou un réveil, prends en photo. Dès que tu vois une poupée vaudou, prends en photo. Dès que tu vois un os, prends en photo. Ma bite. T'as comme putain de monde déjà. Attends. Il faut lâcher, une fois qu'elle est ouverte, tu lâches. Je me suis fait maltraiter, quoi. Je suis même pas capable d'ouvrir une porte, quoi. Ah bah c'est le boss, hein, qu'est-ce que tu veux. Et les mecs, on est dans la merde. Oh
Bon, j'ai 6 degrés ici, c'est à la baignoire, c'est à la baignoire, c'est à la baignoire. On n'aura pas température glaciale, on aura. -4 degrés, 3 degrés. Comment elle s'appelle déjà? Boris Papon. Boris Papon. Mais tu m'entends, Radio? Elle a allumé la télé. Elle a allumé la télé. Niveau 5. Ah, c'est bon, on a le MF, on a le MF. Prenez en photo la télé. 3 degrés. Wow, extrêmement bien posé. Bien posé. Il y a un téléphone qui est tombé par terre. Prends-le en photo. Prends une photo. La lumière du salon clignote dans tous les sens. Bah t'as c'est un musée. C'est pas moi News. Tu me comprends plus, je sais ta mère. Non vraiment. Casse-toi. C'est pareil, la télé c'était pas le fantôme, hein, c'était moi. Putain de con. Eh hey, tu me laisses pas seul hein. Moi je reste dans mon angle. De toute façon tu peux demander à Mada, y'a que moi qui meurs en premier, de toute façon. Y'a pas d'empreinte digitale. Y'a rien. Ah, elle était là où vous étiez, ouais la dame, j'ai pas le temps de la prendre. Papon. T'inquiète, il va apparaître dans pas longtemps. C'est tout, Maurice Papon. Ah, il y aura pas température glaciale. T'as des sapins en dessous de 2. T'es au camion News? Il a paru. Les angles c'est bien. Ok, on a EMF7, on n'aura pas température glaciale. Et il n'y a pas d'empreinte. Va au camion hein, Stapper. Il faut la spirit box et voir pour les ordres. Il n'y aura pas de température glaciale, il n'y a pas d'empreinte digitale. Venez chercher la box. Allez chercher la spirit box, je vais mettre une caméra. J'ai mis une caméra. Okay, vas-y viens. T'es dans la chambre en tout cas. T'as mis une caméra avec un trépied? T'as mis une caméra avec un trépied. Faut le mettre à 4 pieds sinon c'est galère. Non, t'inquiète. Fais savoir le nom du fantôme. Bon, il se fait un pont. C'est quoi, j'ai pas entendu. Viens voir News. Mauvais. Arrête tes connes. C'est Linda Garcia. Non, vraiment. Bon, on comprend pas. Ah bah tiens, elle est juste devant moi. Elle est trop excellent. Je me casse, je vais chercher un appareil photo. Je l'ai vu à la caméra. Ah oui, activité 10, regarde. Ouais, je l'ai vu, activité 10, connard. Y'a plus d'appareil photo.
Quelqu'un peut me lâcher un appareil photo? News, elle est pas là. Elle est dans la salle de bain. Non, elle est pas dans la salle de bain, elle est dans la chambre. Mais si, je l'ai vue. Je l'ai vue à la caméra. Voilà, je l'ai vue à la caméra. Elle est dans la chambre, ici. Nous aussi on l'a vue. Elle est dans la chambre, info sûre. Clairement dans la chambre. Si je te dis que je l'ai vue à la caméra. Ta caméra, elle sert à rien. Lâche-moi ton appareil photo. J'en ai pas. Ouais, toi là. toi. Putain, mais hé, t'es relou. Arrête de toucher la caméra. Je te dis, elle est dans la salle de bain. Arrête. Kizumi, il est apparu devant Kizumi dans la chambre. Regarde le détecteur de mouvement. Quelqu'un a crucifié. Regarde Nius derrière toi. Oui, il est posé dans la salle de bain. C'est qui a le crucifié? Il est dans la salle de bain. Regarde News derrière, on a validé le truc de détecteur de mouvement. Et détecteur de mouvement, je l'avais mis dans la salle de bain. Oui, mais il peut apparaître à côté, ça change rien. Non, ça il est pas dans la salle de bain, il est clairement dans la chambre. Il est apparu dans la chambre. Allez, viens, Mehdi, on va chercher le crucifix. Putain, on m'entend, merde. Mais ta gueule, viens chercher le crucifix, putain. T'entends pas. Crève. Le crucifix est dans la salle de bain. Ok, faut... Vas-y, je vais le prendre, je lâche une... je laisse un truc sur mes mains, je prends l'appareil photo, j'ai une lampe, et je vais prendre le crucifix par terre. De toute façon, c'est toujours moi qui meurs en premier, donc... Éteignez vos lumières, s'il vous plaît. Regarde, elle a ouvert l'eau. Je te dis, elle est dans la salle de bain. Les lumières, s'il vous plaît. Laissez-moi solo, laissez-moi solo. Et d'ailleurs, je connais toujours pas le nom et je vous entends pas. Linda Garcia. Elle, tu m'entends là? Ouais, là je t'entends. Là, là, ok, elle s'appelle Linda, je te l'ai mis. Je te crois trop pas. Linda Garcia. Allez, j'y vais. Oui, j'ai laissé le bénéfice du doute, hein. J'ai mis dans la salle de bain. De toute façon, y'a pas d'or. Mais j'ai rien non plus. Non, y'a pas d'or. Je pense pas, ouais, mais c'est bizarre, on a rien depuis tout à l'heure. Et on a MF niveau 5. Faut parler avec le truc. Il parle pas avec la boîte dans les mains. Paintbox. News, viens voir, regarde, c'est trop drôle. Tu vois la télé? Viens voir, s'il te plaît, vite. Oh, t'as loupé. J'étais en train de cliquer avec la télécommande et t'as Mehdi qui est resté devant la télé. Oh putain, merde. Donne-la moi, je veux m'amuser avec ça. Linda Garcia, j'ai pas peur de vous. Ça marche depuis là, mais il est passé devant là, il faudrait qu'il passe devant. T'as tout? La Garcia? Attends, il nous manque quoi là? C'est pas la peine d'allumer la télé, ça sert à rien. Merci. Vas-y, continue. Attends. Elle a écrit sur le livre. Écriture. Elle est là. Je l'ai pris en photo. Allumez le courant, madame. Merci, Linda Garcia. J'ai rien fait au courant. Ça a... Non, mais... Ah, il faut aller en bas.
Alors ça peut être sur une box, empreinte digitale. On a écriture fantomatique. Orbe. Ça peut être sur une box. Tiens, Mehdi, je te sens chaud. Mehdi, ça peut être spirit box, empreinte digitale, il me faut un autre appareil ou orbe. Bah je peux pas t'en chier frérot. Kizumi elle s'amuse à tout faire les photos de je sais pas quoi alors. Vas-y j'y vais avec la spirit box. Vas-y. Et on a On a dépêché s'il te plaît Valdo. Tu galères à ouvrir une porte, c'est tellement. Par contre, je t'entends plus. Hein. Kizou. Madame, on n'entend plus Kizou. Non, ah, t'entends plus. C'est qui qui a allumé? Il y a la lampe UV, s'il vous plaît. Peux lâcher, s'il te plaît. Kizou. Merci. Spirit box là. Tiens, c'est clairement pas l'UV. C'est clairement pas l'UV. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Linda Garcia. Ok. Linda Garcia. Pourquoi t'allumes tout? C'est drôle, ça excite le fantôme. Vous avez quel âge? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois rester ici. La Garcia. La Garcia. Répondez-moi, dites-moi quelque chose. Je vous pouvez me parler. Vous pouvez me parler. Arrête ta gueule, connard. Vous pouvez me parler, s'il vous plaît. Ah, ça attaque, ça attaque, ça attaque. Y'a quelqu'un qui est mort. C'est midi. T'es un gros connard. T'es un putain de gros connard. Content. Bah j'ai rien eu à la spirit box par contre. Mais du coup on a réussi. La Garcia êtes-vous là? Est-ce qu'on a réussi le crucifix Non j'ai pas réussi, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi. La Garcia êtes-vous là? Il y avait rien à la spirit box. Hein. La Garcia pouvez-vous me répondre s'il vous plaît? La Garcia. Quel âge avez-vous? J'ai pas vu d'empreinte digitale, y a pas d'écriture fantomatique, oh là là. Y'a pas grand chose. Bah si, écriture fantomatique, ça y est. Ah oui, écriture fantomatique, mais j'ai pas d'empreinte digitale. J'ai rien eu à la Spirit Box. T'as pas du tout vu d'orbe fantomatique, vraiment? Bah non.
Parce que moi, je mets une ombre. Hein. Vraiment. Moi, pour moi, c'est une ombre. Je peux pas du tout te prendre en photo. Non, bah, c'est pas grave. Hein. Par contre, la prochaine game, je rajoute rien, les gars. Désolé, mais... J'ai plus que 30 dollars et j'ai plus rien. J'ai rien si je peux acheter de l'ombre. Pour moi, c'est une ombre. Mais toi, reviens. Tu sais pas où t'es. Je me concentre un peu plus sur les ombres. Mais dans la chambre. Mais c'est pas ça, c'est la souris, trou de bol. Par contre, faut vraiment que les ceux qui savent pas jouer, qui prennent une... un appareil photo, vraiment les gars, s'il vous plaît. Non, bah non. Sur la prochaine game. Elle a utilisé l'appareil photo tout le temps. Elle occupe la photo de rien. Justement, faut faire attention ça. Moi aussi, quand j'étais nouveau, j'arrêtais pas de le faire, c'était relou. Même toi, Mehdi, quand t'allumais les lampes. Elle attaque, hein. Je sais pas si vous êtes dans la maison, mais elle attaque. Elle attaque non, quoi? On est pas dedans. Elle est venue de la salle de bain ou de la chambre, Mehdi? De la salle de bain. Je t'ai dit, elle est dans la salle de bain. Tu me croyais pas... Non, non, elle est dans la chambre, mais elle est venue de la porte de la salle de bain. Ah, elle est peut-être dans la salle de bain, en vrai. Oui, ta caméra, est-ce qu'elle est vraiment bien mise? Ah, elle est sur le shot, je te garantis qu'elle est bien mise. Ah oui, elle est bien mise, la caméra. Mais t'es fou, voilà, Mada, on se comprend, hein. Quand c'est sur le shot, c'est bien mis. Tout à fait. Mais en tout cas, prenez plus les appareils photo, laissez-les moi. Non, mais j'en prendrai, bien j'en sûr. Mettrai un, moi, pour moi. Parce que je voulais prendre en photo le fantôme et je me suis rendu compte que j'avais que 2 objets sur 3 sur moi. Bien sûr, la température à Kizumi. Hein, bonne idée. Ouais, mais tu sais très bien que je me repère à ça. Oui, mais histoire qu'elle comprenne le jeu, et c'est comme ça qu'elle va voir où il y a le fantôme au début. Bah au pire, je vais prendre un thermomètre et je vais laisser un thermomètre aussi à Kizumi. Je vois aucune orbe. Hein. Ouais, vraiment aucune. Bah pour moi, c'est une ombre, hein. Vraiment. On a EMF niveau 5. La caméra, elle est mal placée, il faut la mettre dans la chambre. Pour moi, le truc, il est dans la chambre, il est pas dans la salle de bain à côté. Il y en a déjà une dans la chambre, il y a rien non plus, mais dis, regarde. Tiens, et regarde, qu'est-ce que tu vois au-dessus du lit, là? Rien. Bah, moi, je vois une orbe, là. Non, c'est une orbe. Non, c'est une lampe, connard. Tu es con. Des orbes, elles bougent. Et rapidement. Qui vient d'apparaître et de disparaître? Je vois rien du tout. Putain, me te mets pas devant moi, Mada. Il ne voit pas. Tu peux pas savoir voûter. Et tu sais, depuis la mise à jour, je pense que les orbes ils ont changé. C'est pas juste des petites boules. Pour moi là, c'est des lamas de fumée là que tu vois. Pour moi, c'est un oni ce truc. Garde la mat de fumée au-dessus du lit là. Mais non, c'est la lampe, regarde. Non, regarde, c'est en dessous du lit maintenant, il n'y a pas de lampe. Mais c'est normal, c'est moi qui fais bouger ma petite lampe, regarde. Non, enlève ta lampe. Mais je peux pas l'enlever. C'est celle qui est sur l'épaule. C'est ma lampe qui est sur mon épaule, je peux. Non, regarde, et crois-moi, il y a plein d'amas de fumée. Là, il y en a un qui vient de disparaître de la salle de bain, là, il y en a au-dessus du lit. C'est en train de disparaître. Re dans la salle de bain. Ouais, donc c'est bel et bien ma lampe. J'ai fait esprit de le mettre dessus, Mehdi. C'est pas énorme. J'ai fait esprit de le mettre au-dessus. Re au-dessus du lit maintenant.
dans la salle de bain et au-dessus du lit en même temps. Au-dessus de la fenêtre maintenant. Bah mettez ce que vous voulez, moi je mets c'est un Oni. Moi j'ai mis une ombre. J'ai mis une ombre. C'est J. Moi je mets un Oni. Par contre le crucifix ça a pas marché. Non, je l'ai jeté devant moi et ça m'a tué quand même donc. Faut le poser à terre dès le début. Hop, une orbe sur le plafond. Je peux parler, faut pas... En fait, le crucifix, il faut pas le poser quand le fantôme il apparaît, il faut qu'il soit déjà à terre. Ok, bah alors... Quand tu sais quel fantôme, tu lances le crucifix, et le fantôme, dès qu'il apparaîtra, bah, il n'apparaîtra pas, en fait. Dès qu'on sait qu'on a le défi crucifix, on sait qu'on est mort. Ben non, tu le poses avant. Ouais, mais du coup, si tu le poses avant, le fantôme, il apparaît pas, t'as pas tes trucs. Mais tu le poses avant, en faire en sorte que le fantôme, il apparaisse sur toi, voilà. Et qu'il passe sur le crucifix, comme une mine. Voilà, et t'as réussi la mission. Voilà, les mines, tu les jettes pas devant les mecs avant qu'ils viennent. Je préfère reconnaître le fantôme que réussir le défi crucifix, quoi. Mais il marche qu'une fois le crucifix, après tu l'enlèves. Puis ça dure pas vitam et tatam, hein, le crucifix. Hein. C'est pendant une minute ou deux le fantôme. Swen, j'ai des orbes partout là. Bah, mets ce que tu veux, mais je pense que c'est aussi parce que t'es fantôme. Ouais, y a des chances, ouais. Bah, t'as mis quoi, chaton? Non. Mais t'as appuyé sur ta touche? Bah la touche de ta souris. Je l'entends pas. Parle. Elle est loin. Non. Bah non, elle est à côté de nous. Non, on l'entend pas. Ah non, bon, t'as validé le truc? Bah t'as, tu as juste à se mettre que c'est un Oni, mettre les preuves et voilà. Pourquoi? Bah t'as mis que deux, bah voilà. Parce qu'elle a lu, elle a dit que c'était ça. Moi, c'est une ombre. Pour toi, c'est une ombre. News, t'es bon? Ouais. Allez, Marcel. Oni, ah bah GG, les gars. T'as crevé les yeux. Genre. Elle est trop buggée, gros. Allô, allô.